Bonjour, bienvenue dans One Word a Day. Aujourd'hui, nous allons parler de Baba Kutia. Connaissez-vous la légende du Baba Kut? Un jour, un jeune garçon du nom de Kut partit récolter du miel dans la forêt. Piqué par les abeilles, Kut perdit l'équilibre et tomba d'un arbre. Heureusement, un Indri-Indri vola à son secours et le ramena dans son village. Depuis ce jour, Kut prit d'admiration pour l'animal, le considéra comme son père, son sauveur, d'où l'appellation Baba Kut, qui signifie littéralement « père de Kut ». De ce nom fut inspiré celui d'un lémurien fossile malagasse, Baba Kutia Ratfly, qui était plus grand que l'Indri Indri car il pesait entre 15 et 20 kilos. Mais il n'était pas le plus grand lémurien qui a existé à Madagascar. Le record est détenu par Archeo Indri avec ses 200 kilos du haut de ses 1m30, suivi de près par Megaladapis qui pesait entre 40 à 80 kilos pour une taille pouvant atteindre 1m50. Ces espèces sont des géants comparés à Microcebus berthé qui ne mesure que 9,2 cm pour un poids de 30 grammes seulement. C'est le plus petit primate du monde connu jusqu'à ce jour.